Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Noirestin qui vous présente, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité mondiale pour ce mardi 23 octobre 2012. Aux États-Unis, après les trois débats télévisés entre Barack Obama et Mitt Romney avant l'élection présidentielle américaine du 6 novembre, Vincent Michelot, directeur des relations internationales à Sciences Po Lyon, répondu aux questions des internautes du monde.fr. On a l'impression que la campagne s'est réveillée avec le premier débat. S'agit-il de scénarios destinés à entretenir le suspense, alimenter financièrement les médias et les instituts de sondage dans un climat qui était à tonnes? Ou se passe-t-il vraiment quelque chose dans l'opinion qui risquerait de mettre Obama en difficulté? Les sondages étant surabondants, illisibles et contradictoires, jusqu'au premier débat, il y a eu un alignement de planètes idéal pour Barack Obama et catastrophique pour Romney. Vous suivez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité mondiale sur les ondes de votre station de prédilection radio Respiration FM. Maintenant, nous allons à La Havane. Fidel Castro dément lundi à la une de Grand Mal, organe du parti politique communiste cubain, les rumeurs l'annonçant comme mort ou à l'agonie, dans un article accompagné d'une photo où il apparaît tenant à la main le grand mât de vendredi. L'ancien président cubain accuse les agences de presse et les ennemis de Cuba de propager des stupidités. Beyrouth, l'armée libanaise dit avoir obtenu une trêve entre groupes armés sunnites et alaouites mardi à Tripoli après les affrontements de la nuit qui ont fait 4 morts et 15 blessés dans la deuxième ville du Liban. En Haïti, un incendie a été éclaté au marché Wilfrid Bertrand à Delma 31, non loin de la TNH, dans la nuit du 17 au 18 octobre. Jusqu'à ce matin, les sapeurs-pompiers tentaient de maîtriser le feu. Les dégâts sont énormes, selon les marchands qui ont fait remarquer que les tissus des vêtements et autres produits cosmétiques sont consumés par les flammes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Terminons avec un extrait de la chanson du jour sur les ondes de la radio Respiration FM. Votre station de prédilection. Dans un instant, nous serons de retour pour un coup d'œil sur la page technologique. Vous êtes branché sur les ondes de la radio Respiration FM et vous suivez World Info. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant jetons un coup d'œil sur la page technologique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette page? Il y a Apple, n'est-ce pas, qui vient de mettre sur le marché mondial ce qu'on appelle mini iPad. C'est à San Jose, dans le très Rococo California Theater, une salle moins de grande que l'accoutumée et devant une assistance toujours enthousiaste, mais moins fournie que d'habitude, que Tim Cook a dévoilé l'iPad mini, le dernier né de la famille Apple, est aussi fin d'un crayon. La diagonale de son écran est de 7,9 pouces et possède la même résolution que l'iPad 2.
C'était un coup d'œil sur l'actualité mondiale, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour la présentation. Emmanuel Aizé nous reste. N'oubliez pas d'écouter, mesdames, mademoiselles et messieurs, ma journée en appelant 213-493-0167, 213-493-0167. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à la prochaine.